Bras de fer Maroc-Union Européenne concernant l'industrie de la pêche ne fait pas que des heureux dans la région d'Agadir et plus particulièrement à Sidi Ifni, situé à 160 km de la capitale du Sousse. Si les accords entre l'Union Européenne et le Maroc pris en 1995 sont remis en cause, c'est toute l'organisation de la pêche entre les îles Canaries et le sud du Maroc que les pêcheurs contraints de rester au port voudraient comprendre. Salut à tout le monde, voilà, on est à Sidi Ifni, on est le 18 janvier 2012. Pour bien expliquer ce qui se passe ici à Sidi Ifni, on doit citer que Sidi Ifni a eu l'indépendance de l'Espagnol en 1969, alors quand les Marocains ont récupéré Sidi Ifni. La situation sociale des habitants est devenue mal de plus en plus. Pour le travail, ou bien c'est la première chose pour bien vivre dans tout le monde, pas seulement au Maroc ou bien à Sidi Ifni. La seule issue pour avoir du travail ici à Sidi Ifni, c'est le port. Le port n'est pas bien fabriqué, il y a toujours des problèmes pour les pêcheurs et pour les bateaux. Pour les bateaux, ils deviennent de plus en plus nombreux. Il n'y a pas d'usine, bien sûr, pour préparer les boîtes à sardines comme ils font avec nos poissons ici, parce que nos poissons vont jusqu'à Agadir pour faire travailler les gens, les habitants d'Agadir, mais Sidi Ifni reste dans la même situation chaque année. Mais pour ces jours-là, pour cette année-là, le port, il n'y a presque pas de travail, presque il n'y a aucun bateau qui entre ou bien qui sort. La situation est devenue de plus en plus grave. Aujourd'hui, un projet baptisé Marine Programme vise à démontrer qu'une transition est possible vers une pêche responsable durable. Cependant, depuis le début de l'année, les habitants de Sidi Ifni se disent mal informés de ces nouveaux objectifs. Toutes les catégories, ils n'ont rien pour entrer, pour manger, pour faire manger leur enfant, ou bien pour faire manger leur famille. Ils n'ont aucune issue que de se manifester et de rester dans une tente dans la rue pour faire passer leur message aux autorités qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien ici à Sidi Ifni. Il faut avoir des solutions et nous trouver du travail, bien sûr, à tout le monde pour avoir du pain, pour manger, pour vivre. Alors que, en retournant à 2008, ou bien avant ça, 2005, il y avait une manifestation ici à Sidi Ifni pour les mêmes choses, pour vivre avec une dignité, avec nos droits d'homme, bien sûr, pour bien vivre, le travail, le logement et la santé, bien sûr. Parce qu'on a un autre problème que l'hôpital de Sidi Ifni. À l'époque des Espagnols, il était le premier ou bien le meilleur hôpital dans le nord de l'Afrique. Mais maintenant, on trouve qu'il y a juste un bâtiment avec quelques fermiers. Alors il n'y a rien. Si tu veux être soigné, il te fait partir à Tiznit pour avoir des soins. Mais ici à Sidi Ifni, on a un espoir que tout va changer. Tu vas changer dans l'avenir à cause des jeunes, parce que ils ont une conscience qu'avec leur effort de faire passer
leur message, ils vont y avoir leurs droits.